Yo tout le monde, septième épisode 6. Oui, nous jouons les Alains sur Rome de Total War. Alors, où est-ce qu'on en était? Oui, on venait de repousser les signes de sang avec cette armée. Donc on s'en était plutôt bien tiré, bon, à part une unité là qui avait un peu pris cher. On s'en était bien tiré. Quand même, si on n'a pas de choses à faire, on a de l'argent, faut le dépenser. Voilà, on va pas le laisser dormant, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, on fait la promotion de rang de deux de mes généraux. Ouais, servira, je crois. Par exemple, ça fait plus de taux d'imposition, ce genre de truc. Lui, il continue son petit voyage, ok. On va rester un petit peu, on doit reconstituer l'armée un minimum. Ah. Il y a un assistement en assassinat. Pareil. Ouais. On va faire un tour des. Oh, désolé. Ah, bah vas-y, fais-toi plaisir. En attendant. Voilà, même principe. Ouf! Il baisse le moral, lui. Je sais pas si vous avez vu la baisse de 6 de morale là, dès que lui il est arrivé. Pfiou. À utiliser avec modération. Ok. Pas grand chose d'autre à faire. On voit Palmyre qui s'est bien étendu. Regardez tout là, là. Vite, Palmyre là. Vite. Et eux, c'est les Utiens, les Italiens. L'Isu quelque chose. L'Usi. Ou l'Usi. 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 L'Usitania, voilà. Hop, on envoie des chats. Ok, à trop de rats, on envoie les chats. Faut bien que ça serve à quelque chose, ces trucs là. Allez, c'est reparti, on retente. Un jour, il y arrivera. Hein. Petit sacrifice sanglant. Bon, c'est pas grave. On va piquer un des membres de l'entourage de ce gars-là. Hop, allez, on l'attaque. On va voir, il y a quoi? Quelques lance projectiles. Pareil. Oh. On encercle et eux. On voit là-bas. Et là, je mène la bataille sur le champ. Voilà, on va essayer de leur faire des pertes grâce à notre cavalerie d'archers. Donc j'ai mené la bataille. Pour ceux qui veulent, ça sera disponible en fin de vidéo. Et pour les autres, on se retrouve de suite. Donc. Une victoire plutôt correcte. Hein, on a fait du 1 pour 10 au niveau des pertes. Bon, on peut voir ma cavalerie à distance qui fait le café, quoi. Et encore, ça c'est pas la meilleure unité. Je crois que c'est la première unité. D'archer bah d'archer en fait. Hop, on va raser bien évidemment. Je suppose que dans les objectifs je dois raser un certain nombre de. On va raser, mettre un sac. Ah non. Ah si, ouais. J'en ai 30. Donc voilà. J'ai bien fait. Les rassemblements religieux et ennemis à ciel ouvert, c'est parfait. Eux, on va les emmener là-bas. Même s'il y a les buries, on n'est pas encore en guerre avec eux, mais ça ne saurait tarder. Ok, plutôt bien.
On est plutôt pas mal. Là, je lèverais bien une armée, je sais pas pourquoi. Mon petit doigt, il me dit, lève une armée là. Bon, bah, je vais lui obéir, hein, tu sais, les petits doigts, ils ont souvent raison. Hop. Et... Ah, c'est pas la première, ok, c'est pas la première unité de ce type. Autant pour moi. Voilà, on va enlever 8. Et ce sera déjà pas mal. C'était lui, ouais. Voilà, spoliateur vicieux. Parfait. Madame Mayosara. Hop, qui est presque en maximum. Un bon général. Très très bon général même, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir. Ça fait même très plaisir d'avoir quelqu'un de compétent. Ok, les go, ils commencent à bouger un peu, on sait pas trop ce qu'ils font. Ouais, ils ont sûrement dû me dissoudre une unité comme d'hab. Hein. T'as dans ce mode de jeu, il n'y a que ça. Hein. Voilà, bingo. On sait pas d'où il sort, lui, mais. Merde, pardon, c'est pas ça. C'est pas du tout ça que je voulais faire, hein. Zut. Hop, non, c'est pas toi que je veux. Voilà, c'est toi. Voilà. Non, parce que quand même, pour arriver, enfin, je veux dire, il faut qu'il vienne de là, ou de là. Il a fait du chemin quand même. Hein. Donc, ouais, je suppose là. Ouais, non, ça fait long. Hein. Je sais pas. Ok. Allez, un petit autre recrutement. Et là, on aura une bonne armée en cas de défense. Visite. Et si on dit, ah oui, bah oui, plus de revenus d'aventure, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Enfin, encore faudrait-il arriver à faire tes aventures, mais aucun souci. Et bah. Non, parce que c'est vrai que là, il n'a pas été très très efficace hein, jusque-là. Hop, et ah bah ici, il est où encore l'autre là? C'est pas vrai ça. Ah voilà. Il n'y en a pas un genre bas niveau que j'aille. Voilà, m'entraîner bien dessus comme il faut. 5, 6%. Hein. À petit on y arrive mais fou et 10% de sacrifice sanglant bon. Sima a été blessé c'est mieux que rien hop sacrifice sanglant elle va augmenter hein, c'est parfait. Oui, ils ont plus besoin de courir. J'aimerais bien faire la paix avec l'ego. Les oreilles de mon peuple sont grandes ouvertes. Ne gâchez pas vos mots. Ils ont quand même, on pas déconner. Cela. J'apprécie peu notre. Non, c'était vraiment juste histoire de piquer un peu de terrain, comme on dit, hein. Piquer un peu de terre. Et d'ailleurs, on va échanger, c'est-à-dire que toi, tu vas aller là-bas. Et lui, il va revenir. Lui, il va revenir et on va aller, je sais pas encore où, mais on va y aller. Ah bah, suffit de voir l'objectif, le prochain objectif. Hein. Alors là, on va faire. Faire ça. C'est bien.
On s'entend bien avec Rome. Ah ouais. Ah, c'est pas mal ça, putain. Ah ouais, oui, d'accord, oui, je comprends maintenant pourquoi. Oui, ok. Peut-on. Je peux pas y arriver ici. Hop, là, voilà. T'as 19 ans. 19 ans et c'est déjà un bon gros général, hein. C'est un général vraiment très aguerri. De haut rang, de haute noblesse. Waouh. Vous nous craignez, Ah c'est d'accord, dans bon, vos on va pas yeux. partir bien loin. Un séisme, c'est chiant. C'est jamais très agréable parce qu'il faut tout réparer, ça coûte de l'argent. Et ça en rapporte pas. Bref. C'est pas grave. Ah, il n'y avait pas de tueur par là? Bon. C'est pas grave. On va envoyer. Bah, si, il y a bien de tueur. Ah, il est quelque part là, non? Pas du tout. Ah, ok. Ah, ça doit être dans notre mode de jeu. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie tout le monde là-bas. Oh, bah, lui. Il est rapide. Ah bah tiens, je le voyais pas, je l'avais pas vu lui. Je l'avais perdu. Donc on part et on fait tout chemin bien sûr. Discrètement, hein, parce qu'il y a des agents ennemis. Du veau. Et faire attention à eux. Alors toi. Ok. Avec toi tu voles de la nourriture. Et des technologies. Voilà. Alors que. C'est pas les Issen ça? Qui c'est? Ah, les Nous Calédoniens. serons d'honorables Ouh. ennemis en guerre. Je crois, mon cher ex-ami, que votre peuple va sombrer dans les ténèbres et le Les désespoir. Sassanides. Alors. Là, les gars, ça va être tendu. Là, les gars, ça va être assez tendu. On va utiliser le commerce et on va surtout lever vite, vite, vite une armée très, très vite. Pourquoi? Parce que bah il y a de l'asset rapide. On va lever là, Syrak c'est un peu mieux. On va lever une autre armée. D'argent. Ouais, je suis même en guerre contre la Bactrie, ça c'est. Ça c'est le coup dur. Hein. Bon. On va faire une embuscade. Si on trouve d'accord. Ouais, je vais m'occuper là du Caburi et. Avant que ça devienne un trop gros problème. D'y aller, non. Très bien. Voilà. On a de quoi défendre. Ici, on lui vole assez de. Je pense qu'on lui vole assez de nourriture pour que ce soit pas un souci de suite. Là, est-ce qu'on a assez d'unités? Oui. Bon, c'est pas de la grosse unité, hein, mais ça devrait être suffisant pour pouvoir se défendre. L'ego qui bouge beaucoup, hein, voilà. Je pensais qu'il allait me laisser tranquille lui, mais pas du tout. Il a pas envie. Ok, les buries, ça bouge, je sais pas ce qu'ils font. Ah ouais, il réessaye encore. Ça c'est une défaite.
plus ils sont malades. Ah bah c'est juste parfait. Hop, bah voilà, on va piller tout ça. Hein. Puis ça va se faire tranquillement. Allez, on fait un petit raid. Putain, il n'y arrivera pas. Hein. Là, on va faire une grosse avancée. Même. Non, ça sert à rien. J'ai l'impression que ça sert à rien, mais que c'est que les unités en. Que les unités cavalerie en fait. Quand t'as une armée full cavalerie. Que ça passe pas en même temps. Marche forcée sur de la cavalerie, je sais pas ce que ça donne. C'est bon, je peux en faire encore. Voilà. On continue de surveiller un peu nos frontières. On ne sait jamais. Surtout là, la Bactrie bah, qu'un seul ennemi, c'est-à-dire moi, qui sont assez grands, ça risque d'être compliqué. Hein. Donc vraiment faire attention, quoi. Alors, tiens, je me pense un peu que j'avais, oui. Tant d'après, ça devrait le faire. Pour le tout puissant. Pardon ? Ça se trouve, je pourrais même faire des potes. Je leur montre. Des vandales. Oh purée, lui, il veut pas, hein. C'est fou, ça. Un jour, il y arrivera, quoi, mais... Pff. Recruter, non, j'aimerais bien, mais voilà, ça veut pas. Ouais, ils s'entendent pas trop mal, hein. Bon, dommage. On vérifie toujours ça. On n'est pas trop mal, et là on n'est pas trop mal non plus. Voilà, c'est un moment assez délicat à passer, hein. C'est le point faible de... Le point faible d'Alain, c'est qu'ils s'entendent avec personne. Mais vraiment, littéralement, personne. Enfin, Alain, par Rome, parce qu'ils sont en guerre contre tout le monde, et nous on est en guerre contre tout le monde aussi, du coup, bah, ça crée des affinités, en fait. Très très bien. Alors, même si j'y crois pas, c'est déjà ça, hein, il est blessé. Ah zut, alors plus qu'un tour. A-t-il réussi, hein? Oui, et donc, j'y croyais plus, les gars, mais on a réussi. Alors, vérifions les frontières. Là, on est. Hop, ouais, c'est ça, ils perdent pas mal de nourriture. On va s'avancer. Voilà. On va faire attention. Ah, j'ai pas de cavalerie là. Si, j'en ai, mais pas beaucoup, quoi. Je sais pas si ça va venir de là. Ou de là. On verra. Hop, c'est là. On va augmenter la production de nourriture, ce sera. C'est pas bête, hein. C'est clairement pas bête. Ça augmentera le taux de reconstitution de mes unités. Et on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, je vois que ça fait à peu près déjà 20 minutes de campagne. Ok, les buries, ils font du truc, on sait pas trop quoi, mais ils font du truc. Présage de conquête, allez, zut. Ah oui, 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 oui. Peut développer les ports apparemment.
Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Tiob. Ciao. Neige, non. Sec. Ok, on va pouvoir commencer le déploiement. On va profiter hein, de l'avantage de lance-projectiles et de cavalerie qu'on a. Hein, tout simplement, un peu comme à la partie d'avant. Hein. Voilà, on bombarde de projectiles. Hein. Il n'y a pas de secret, hein, les gars. Alors, on ne dit pas, bien entendu, hein, de mettre en mode escarmouche. On n'a pas besoin de s'avancer autant. Voilà, on a la portée. On a la portée, c'est très très bien. On a de la cavalerie lourde là. Allez, on recule. Eux, on les prépare. Ils se prennent quelques flèches. Allez, on va faire en sorte que ils se fassent attaquer. Ah, est-ce qu'ils viennent? Ils viennent pas, ils viennent, ils viennent pas, on sait pas trop. Hein. Enfin, plus à reculer les unités de cavalerie, hein. On veut pas trop se prendre de volée là. C'est trop près au corps à corps, c'est pas. Ok. Ok, essaie de déborder. Attention, hein, bien qu'ils aient de lourdes pertes, ce serait quand même bête. Hop, allez, on recule un coup, s'il veut bien. Voilà, là j'ai pris des tirs. Mais pourquoi il fonce lui? Et à quel point? Mais. Ok, je crois que c'est le mode escarmouche qui déconne. Tirer, on va remettre, hop, et on recule parce qu'il se ravance. Là-bas, ça se passe comment? Ça se passe. On va mettre un coup de draco. Voilà, ça devrait bien gêner le général midi. Ouais, bingo. Ouf. Allez, hop. On recule, hein, on les oblige à foncer comme d'hab. Accélère le feu maintenant, on met le mode garde, j'avais totalement zappé ça. Hop, on recule, allez. On est encore loin, mais on n'est pas si loin que ça. On va diviser en deux, hop, une partie là et une autre partie là-bas. Voilà, on a nos unités derrière là, qui font le café. C'est très bien. Voilà, on va faire un bon petit coup de charge là-dedans. Que ce soit bien le bazar comme il faut. Vraiment, j'ai chargé les unités de lancier, couillon. Et là-bas, ils sont retournés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attaque par l'arrière avec notre cavalerie. À distance. Lance projectile. Voilà, j'avais trouvé plus loin. Allez, allez, allez. Voilà, là, ça fait bien mal. Là, on a fait ce qu'il fallait. On a. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser en deux. C'est gratuit à nouveau. Ouais, sauf si lui il fait de la merde, hein, bien évidemment. Là on profite, hop, ouais, j'ai pas assez réussi à profiter. Hop, là on retire le feu à volonté par contre sur les deux parce que les unités au corps à corps et ça c'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils foutent eux là? Sérieux, qu'est-ce qu'ils foutent?
c'est les autres. D'accord, lui il s'en fout, mon général lui pareil, ils sont balés. Hop, allez, coucou. D'un côté ou de l'autre, moi je m'en fous. Voilà, vous tirez là-dessus, et vous là, vous tirez, c'est ça. Pas trop les... Je suis d'accord, c'est bon. Allez, sort du corps encore maintenant. Hop, on est pas mal. Allez, on retire. Toute unité corps à corps. Voilà, là ça fait mal. Hop, voilà. Là-bas, on a nos unités corps à corps. Notre cavalerie. Oups, ah bah qu'est-ce que c'est que ça là? Ah bah, yeah. Ok, je vais retirer, celle-là là, qui a pris des dégâts de ouf. Voilà, c'est bon. C'est ce qu'il fallait. Hop, allez, là on tire. On avait un qui traînait dans le coin là, mais je sais pas où il est. Voilà, ici. Non, ça fait le café, pareil. Ça c'est les unités de... les unités navales. Hop, c'est parti, on continue. Hein. Hop, on arrête le feu, on sait jamais qu'il y ait des unités... qui reviennent, autant avoir des munitions. Voilà, bon, je sais pas ce que ça fait là, mais... Et coucou, hop, est-ce qu'il y a des munitions... des... Pff. Voilà, ça devrait être pas trop mal. Quand même, il reste en péon. Ouais, c'est de l'unité lourde. Ouais, c'est de l'unité légère, je veux dire. On va aller charger un bon coup, ça devrait leur faire du bien. Regardez-moi ça. Ah bah ils tiennent les salauds hein. Ah mais mon cochon. Hop, allez la cavalerie. Derrière on est bien. Là j'ai des recharges à faire, enfin des charges. Encore une petite charge à faire. Ouais, tu parles d'une charge toi. Ah, d'accord, ouais. Ah mais il y a du monde là-bas en fait. Hein. Hey, oh. Allez, on se remet bien là les gars. Et je veux un rechargement rapide. La cavalerie là-bas. Vous choisissez, vous y allez ou vous y allez pas, mais vous faites quelque chose. Allez. Bon là-bas, ils vont pas nous tirer dessus impunément non plus, faut pas déconner. Hop. Un petit général, tout à plaisir. Hop là-bas. Non, vous, faut absolument pas que vous tiriez. Parfait, ils sont pas en feu de volonté. Putain c'est fou ça, on les voit pas du tout quoi, ils sont là. Hein. Hop, on termine la bataille. Pas trop de pertes. C'est plutôt pas mal.